Oui, bien, en fait, le kayak de mer, c'est probablement la première activité de bénévolat que j'ai faite ici à Gaspé. On voit le petit sticker sur le côté du kayak, là, du sentier maritime du Saint-Laurent, la route bleue de la Gaspésie. C'était un projet qui regroupe des partenaires de toute la Gaspésie pour avoir une place pour arrêter pour les kayakistes de partout, à peu près tous les 4 ou 5 km, tout le long de la Gaspésie, de passer Cap-Chat, aller jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Donc, on a à peu près 150 partenaires. Ça fonctionne toujours. Moi, j'ai commencé en 2007, puis j'ai transféré la gestion des opérations à la ZIP Gaspésie, qui, eux, s'occupent de projets à caractère environnemental, là, pour préserver l'environnement. Puis comme le sentier maritime respecte l'environnement, on a adopté le code éthique sans trace, entre autres. Et puis, c'est le livre No Trace américain qui permet d'utiliser tous les sites sans que ça paraisse. On peut même se faire des toilettes puis un feu pour faire de la bouffe qui ne laissera pas de traces. Marine mammals in 5.2. Abandoned ship, it's 5.3. Anchoring 5.4. Ça, c'est la révision du cours qui permet à quelqu'un d'avoir sa carte de conducteur d'embarcation plaisance. Donc, on fait la révision de ce livre-là. Il y a des gens, on révise la version anglaise. C'est pour ça que l'essentiel de la rencontre aujourd'hui, de ces rencontres-là, c'est notre 32e. Elle va se faire en anglais. Puis après ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais être responsable d'une bonne partie de la traduction en français. Puis de la correction de l'ancien livre, des choses que j'aimais un peu moins dans ce livre-là. C'est un organisme pan-canadien, donc dans notre réunion, on peut avoir des gens, des maritimes, comme de Colombie-Britannique. Puis maintenant, on est deux francophones. Il y a moi, puis il y a une autre personne qui est de la région de Montréal, je pense. Sur ce comité-là, c'est depuis le mois de novembre. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un francophone sur ce comité-là qui était impliqué autant que ça. Sauf peut-être pour une révision à la fin. Mais comme je disais, si c'est quelqu'un qui est parfaitement un bon traducteur, s'il n'a pas d'expérience en navigation, ça va sortir différemment. Le français va être parfait, mais des fois pour nous, ça va être incompréhensible. Il y a des fois que je dois avouer que je chialais un peu sur le genre de document qu'on avait, le français entre autres. Fait que là, au lieu de continuer à chialer puis rien faire, j'ai décidé de m'impliquer. Là, je vais y aller. Hi, everybody. Are you listening? Yes. Is the sound good? Sound is good. Okay, thank you. When I was reviewing this section, I found that
the section, the new section 5.1 was a little overloaded. Ben aujourd'hui, je vais installer, je vais souder la pièce qu'il y a ici. C'est un support avec un rouleau que j'ai fabriqué. Et puis, quand le bateau va sortir de l'eau, on descend la remorque à l'eau, le voilier s'en vient, il rentre dans les deux glissières, là, que ça, c'est des gabarits. Et puis là, il va suivre ce gabarit-là jusqu'à arriver sur ce rouleau-là ici. Je me disais à Gaspé, il faudrait que je me trouve un soudeur qui est fiable, qui est disponible, puis qui est pas trop cher. Hein? Bon, ça n'existait pas. Ce qui fait que j'ai décidé de faire la tentative. J'ai acheté une soudeuse avec tout l'équipement qui va avec. C'est moi qui ai soudé tout ce qui est couleur anti-rouille sur le voilier, puis on l'a transporté de la marina jusqu'ici. Donc, mes soudures sont solides. Elles ne sont pas toujours parfaites à mon goût, mais elles sont solides au moins. C'est un 74. Là, la peinture n'est pas belle, mais quand je vais avoir filé la peinture, parce que je veux la refaire, il va avoir l'air d'un bateau d'une dizaine d'années maximum. Puis, il a été fabriqué en Nouvelle-Écosse, à Lunenburg. Juste à côté de Lunenburg, à Mahone Bay, c'est Lunenburg, ben c'est là que réside le Blue Nose. Et puis, je l'ai acheté en 2008 à Québec. J'ai descendu le fleuve avec, puis depuis ce temps-là, j'ai fait mon terrain de jeu et entre la Gaspésie et l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Là, je vais faire des pointes de soudure. Après ça, je vais pouvoir enlever mon système puis le souder au complet. Non, m'asseoir à quelque part puis rien faire, c'est impossible. Pas parce qu'il faut que je sois actif physiquement tout le temps, mais psychologiquement, il faut toujours, toujours que j'ai quelque chose à faire, à réfléchir. J'adore aller en forêt, faire l'observation des oiseaux ou de tout ce qu'on peut voir. Je fais du kayak aussi. Bien évidemment, je fais de la voile, je fais du vélo. L'hiver, je fais du ski. Puis, un maniaque de casse-tête, de jeux de société. Il faut toujours que je sois en train de réfléchir, sinon, non, je suis pas bien. À Québec, j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral, ce que j'ai fait pendant 35 ans. Ici à c'est le travail qui m'a amené ici à Gaspé. Puis la retraite qui m'a suggéré d'y rester. Ça fait depuis 2007 que je suis impliqué dans différents projets, mais toujours sur des projets qui touchent le côté maritime. Je me suis rendu compte que c'est vraiment dans le domaine maritime que je suis le plus... que je suis le plus qualifié, puis qui m'intéresse aussi. Bon, notre soudure est faite. Évidemment, il faut que ce soit solide, parce que quand le voilier va à côté, ici, il va avoir 4 tonnes qui vont rentrer, puis en général, on veut vraiment s'accoter comme il faut dessus, donc il faut que ce soit solide. J'ai commencé à faire de la voile, j'avais 6 ans ou 7 ans, avec mon père dans la région de Québec, à Saint-Nicolas. Dans une des zones les plus difficiles à naviguer, à cause des marées et à cause du fort courant qui est
engendré par des marées de presque 20 pieds. Comparativement, ici à Gaspé, on navigue sur un lac, là. On a 3 pieds de marée, à peu près pas de courant, sauf en dessous du pont où on ne va pas, évidemment. Puis aux deux bouées, on se rend compte qu'il y a du courant. Puis au bout de chacune des pointes aussi de la Gaspésie, on se rend compte qu'il va y avoir du courant. La baie de Gaspé, c'est le plus beau plan d'eau au Québec pour faire de la voile. À partir de la marina au centre-ville, là, aller jusqu'à la barre de sable de Sunday Beach, que les gens ici appellent Boom Defense, on navigue comme si on était sur un lac. Sauf que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on passe les deux bouées à Penouille, puis c'est la porte de notre lac. On est rendu dans le golfe du Saint-Laurent. Là. On est dans une région éloignée. Si on veut faire des activités, il faut s'impliquer. Si on veut, comme moi, je fais du kayak de mer, je fais de la voile, on embarque dans des projets. Puis comme ça, on peut même développer. J'ai parlé déjà là, du kayak de mer, puis de la route bleue de la Gaspésie. Bon, on a plusieurs endroits où arrêter. On connaît bien aussi la région, fait que ça, c'est intéressant. Un de mes derniers projets, ça a été Rendez-vous 2017, les grands voiliers qui sont venus ici. Puis ça, c'est un petit contrat que j'avais avec la ville, mais c'est probablement le plus beau projet de navigation dans lequel j'ai été impliqué. On avait 5 grands voiliers de partout sur la planète, tous représentatifs de leur période d'histoire maritime à travers le monde. Puis on était choyés. Là. On avait une bonne organisation autour de ça. J'ai rencontré les capitaines de ces bateaux-là tous les matins. Puis c'est tellement enrichissant à travailler là-dedans là, qu'on compte plus les heures quand on travaille dans ça. Moi, ce que je fais depuis 5 ans, c'est que je vais au Salon Nautique pendant 4 jours, puis je casse les oreilles au monde de Montréal que la plus belle baie pour faire de la voile au Québec, c'est ici. Puis je leur souligne que j'ai essayé à peu près tous les plans d'eau du Québec, à voile ou à moteur. Puis je suis pas né ici, donc je suis pas chauvin tant que ça. Là. Je viens de Québec, puis à Québec, c'est difficile. Ici, c'est le paradis pour faire de la voile. Thank you.